Bonjour, chers amis. En fait, je prends la vidéo cet après-midi parce que j'ai une terrible envie de sortir énormément de conneries. Et donc, je me suis dit que c'était un petit peu dommage de garder ça pour moi. D'autant plus que j'ai énormément travaillé aujourd'hui. Et donc, j'ai besoin d'une récréation. Bon, là, je viens de parler de 10 heures. 10 heures, 10 heures, 10 heures. 10 heures. 10 heures. 10 heures. Est-ce que vous croyez vraiment que tous ces chanteurs qui se donnent en concert comme ça, qui se couchent à des heures absolument prohibées, hein, pour des gens qui soutiennent des valeurs fondamentales basées sur le travail et tout ça, se coucher à des 11 heures, minuit, et se lever à 10 heures, 10 heures, 10 heures. Est-ce que c'est comme ça que la France va se relever? Hein, franchement, est-ce que vous pensez que ça tient la route? Franchement. Bon, ça, c'est l'apéritif. C'est l'apéritif. Il se trouve que je me suis fait une réflexion hier, ou cette nuit, ou ce matin, je ne sais plus exactement, au sujet de l'expression. Il y a une dame qui est en train. Ah non, c'est mon voisin qui est en train de vider des saloperies sur le. Voilà. Il y a une expression qui dit « Mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. » Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Eh bien moi, je vais vous dire, ça dépend de la profondeur du bonnet. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Qu'est-ce que le bonnet? Le bonnet correspond à la profondeur de soutien-gorge dans lequel on met le sein. Et oui. Et alors, bonnet E, c'est déjà pas mal. Bonnet M, alors là, je ne vous dis pas. Oui, bonnet M, la blague sur bonnet M, c'est moi qui en suis l'auteur. Ok, c'est moi. Hein. C'est moi qui l'ai sorti à Thomas Fersen il y a au moins, je sais pas. 30 ou 40 ans, facile. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vais appeler ces vidéos-là des. Comment. J'avais. Merde, j'avais trouvé un nom ce matin, mais je me souviens plus. Oui, parce qu'en fait, j'ai décidé de ne plus faire de calligramme vraiment. Je vais faire un peu comme Ben, l'artiste. Et je vais appeler ça des bénalités. Bénalité 1, bénalité 2, bénalité 3, bénalité 4, bénalité 5, bénalité 6, bénalité 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça vous amuse hein, quand je sors des conneries, hein? Bande de petits cons.